Alors, je sais plus ce qu'il dit. Est-ce que c'est 3002? Parce que normalement, la trajectoire, elle est décrite quelque part par là. Ouais. Climb visually on runway track to distance DME 1.2 of Echo Oscar Echo Victor. Turn right to 7.2 track to 3.3 Oscar Echo Victor. Turn visually left. Ouais, la visually left, ouais. Voilà. 3200. Ouais. Donc je prends. Normalement, on devrait être à 3200. Je décolle. 1-2 ici, ouais. Je prends au cap 272. Ouais, donc ce sera virage à droite. Virage à droite, ouais, 272, ouais, exactement. On est là, 272, ici à droite. À 15 degrés droite. Ici à droite. Et ensuite, je continue combien de temps à, ah ouais, à over. À 3.3, j'entame mon virage gauche. Ouais. Pour autant que je sois à 3200. Ouais, mais on y sera, t'inquiète pas. On y sera. Donc virage gauche, et je viendrai chercher le 066. Localizer Oscar Echo Juliette. Donc dès qu'on sera passé, dès que tu commenceras ton virage à gauche, ouais. Ce que tu devras m'ordonner de faire, c'est de changer Oscar Echo Victor en Oscar Echo Juliette, de manière à ce que tu suives, d'accord, l'indication du localizer qui va nous amener directement sur la balise ici et puis sur l'axe en fait qu'on, d'accord, nous demande. Et ça je te le dis comment en fait. Mets-moi Oscar Echo Juliette, voilà. sur le une fois sur que j'entame le virage. RLS. Ouais. Ok, bon. Ok. Oula, c'est chaud ça. Là on est chaud. Hein. Ouais, on est chaud là. Donc démarrage sur les freins, moi j'irai sur les freins. Ok, on y va sur les freins. Mon job de copilote, c'est de te dire qu'on est encore en mode start. Ouais, normal, merci. Flaps one. Ouais. Hop. Ouais. Parking brake. Décollage sur les freins. Décollage sur les freins. Mais je les relâche quoi, je mets pas le. Tu les relâches pleine patate. Si, tu les relâches pleine patate. Donc là, on est bon. Vitesse, régime moteur, gauche et droite. Stabilisé. Toga. Toga. Et hop, on lâche. Ok, on lâche. Donc je te fais les call-outs. Hein. Ouais. V1, rotate, V2. Positive climb, gear up. Gear up. Et là, tu vois, il y a la barre du FD là, qui va venir nous emmerder, je pense. Parce qu'il va 1,2. Voilà, 1,2. Par au 272. Et là, tu vois, ta barre, elle te dit des informations. Ouais. Là. 272. Est-ce que je te manage ta vitesse en restant à 165 nœuds, ce qui était maximum pour le ouais. virage suivant. Ok, 165, ouais, ça, j'ai 165. Pas vu ça. 2. Ensuite à 2, je me souviens plus, 3,3. Ouais. Je suis à 2,75 plus que 2,72, mais bon. Alors on bascule en mode climb. On passe en mode climb. On est en train de passer en overspeed, c'est pas très grave. Hein. Ouais. 3,2. Tu vires à gauche. Tu vires à gauche. Parfait. Au 2,6. Au. Et je te mets. Oscar au 0,66, Echo. Voilà. Et si tu peux me mettre le Oscar Echo Juliette. Super, je te mets la ça. Fréquence. Oscar Echo Juliette. L'altitude, on est bon. L'altitude database. Attends, file-moi la carte, je vais le rentrer en 109,7. Tu vas chercher le cap 0,66. Alors, pousse un peu sur le manche, là, t'es à 20 degrés, franchement. Sur le manche. Ah, pardon. Mais ouais, franchement, ouais. Incliné à 20 degrés, ouais. C'est beaucoup trop. Oscar. Ok. Donc, du coup, 109,7. Voilà. Tac. 0,66, je l'ai là. Voilà. Sort de virage au 0,66. Ok, bon. Chaud. On est loin de la montagne. Ouais, ok, on est la bon. Vitesse, on est bon. Par contre, on n'est pas aligné avec le localizer 0,66. Tu vois, certes, tu as une route 0,66 ouais. qui ouais. permet de maintenir l'axe, ouais. mais là, en fait, on fait une route parallèle au 0,66. Ouais, exact. Nous, ouais. on va essayer d'aller. Ah, il est là, il est ici, non? Exactement. Donc, ok, très bien. Cap,
pas trop fort, pas trop faible non plus, ouais, pour aller le rejoindre. Ok, ouais, j'ai compris. Moi, je pensais qu'il était là, en fait. Voilà. Arrête, on va voir dès qu'il l'amène, je pense qu'il va me le ramener. Voilà. Donc, tu ouais, maintiens cette... Enfin, l'idée, à mon avis, c'est de partir dans la vallée, quoi. Ouais, exactement. Il faut s'y attendre. Donc, si tu maintiens ça, normalement, à un moment, tu vas croiser le faisceau du localiseur. Il va commencer à... On est en 6000, toujours la vitesse, on est bon, on est toujours en AG. Ouais, j'ai fait un virage presque un peu trop fort, c'est ça? Oui, mais au final, mieux vaut ça que un virage trop faible et finir dans la montagne, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est bon, il s'amène. Regarde, il rentre, parfait. Donc là, ton job, ça va être de l'accompagner à rentrer. Ouais. Faut pas commencer à virer trop tôt, sinon il va jamais rentrer non plus. Mais là, comme tu le fais, là, c'est bien. Tu remarqueras qu'on va garder le premier cran de volée parce qu'on va évoluer à des vitesses assez faibles jusqu'à ce qu'on soit libéré de ce virage de la mort qui tue. Là, exact. Alors là, tu es en train de repasser de l'autre côté. Je suis en train de repasser de l'autre côté, effectivement. Il ne va jamais rentrer. Voilà, là, comme ça, stop, arrête de virer. Et là, il va rentrer tout seul, normalement. Lentement, mais lentement. Mais là, on est largement dans les tolérances. Et là, le flaps, en fait, on est bloqué à 165 000. Après, on pourrait être joueur. Alors que là, on a une restriction de... pour le virage là qui va suivre. D'ailleurs, Romeo Uniforme Mike, tu l'as sur la DF1, tu te souviens? Vas-y, mets-le dessus. Je monte. Romeo là, tu vois. En fait, au moment où on le passe, en fait, il est en train de passer là, juste en dessous. D'accord. Donc, pas de souci. En fait, il va nous servir quand on sera vraiment quasiment à la verticale de Oscar Eco Juliette. On ne pourra plus maintenir le 0,66. On n'aura plus d'infos du localizer. Très bien. Par contre, on aura encore la flèche ici, là, qui sera affichée normalement sur le 0,66. Là, ça nous permettra de maintenir l'axe. Je vais le mettre aussi de côté et je sais pas pourquoi il m'a pas enlevé le terrain. Je suis en train de perdre le... Le localizer, voilà, vire un petit peu, voilà, relâche. Là on est sur Oscar Eco Juliette, c'est lequel? C'est celui-là, là, le localizer qui est là, c'est ce faisceau-là. Ok, mais c'est celui qui est donné par l'ADF? Non, en fait c'est deux recoupements, c'est indépendant l'un de l'autre, si tu veux. D'accord. Le localizer qui va te donner une position mobilaire. D'accord. Mais tu vois qu'au fur et à mesure que tu te rapproches, parce que c'est ça, ouais. Alors maintenant je suis celui-là, quoi. Et là tu suis celui-là. Ok, j'ai compris. Et là, celui-là, c'est le Rome. Voilà, c'est Romeo Uniforme Mike qui est juste Romeo là, Uniforme là, Mike. Au début, je comprends. Et donc nous, il faut suivre une route 066. Il faut que l'aiguille, la base de l'aiguille soit sur le 0,66. Donc si tu veux la ramener à gauche, il faudrait que tu t'inclines un peu plus à gauche. Ah ouais. Mais là on est dans les tolérances. Hein. Donc, un DF c'est plus ou moins 5 degrés. Enfin que je passe à droite pour la ramener à gauche. Ouais. Non. Ah non. En fait, il y a un principe. Je te ferai un dessin après si tu veux. Ah ouais, parce que là, elle est en train de passer de l'autre côté, en fait. Quoi. Voilà, c'est ça. En fait, tu tires la queue de l'aiguille et tu pousses la pointe de l'aiguille. Donc là, tu te mets à gauche. Normalement, la barre, elle va rentrer sur la gauche. D'accord, ouais, ça, j'ai jamais fait. C'est pas grave. Jamais. Regarde ta distance par rapport à Oscar Eco Juliette. Oscar Eco Juliette, on est à un nautique, ouais. Donc on est en train de passer vertical. Ça correspond à notre hauteur, on est à 6000 pieds presque. Ouais. 1-2. Donc on peut commencer notre virage de la mort qui tue. Virage à droite, minimum bank 25, maximum 165 knots. Donc vas-y, on peut virer à fond à droite. Ok. Voilà, 32 degrés. Pas plus, hein. Après, faut penser au passager derrière. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Et au cap pour l'instant, tu vas sortir au cap 270 pour être safe. Ok. Ensuite, on mettra les ailes à plat et on regardera un peu ce qui se passe. Alors pousse un peu sur le manche là parce qu'on a... Ouais, on a pris du... C'est juste doucement. Ah, là, les passagers tirent la gueule. Un petit peu. C'est le virage qui est comme ça.
Donc tu sors au 270 et après on va regarder quel est le chemin le plus direct. Ouais, pour on passera de la montagne. Faut pas se manger dans les paramètres. Exactement. Faut pas confondre 165 avec 265. Non, non, non. Et là, on pourrait réaccélérer à 250 nœuds. Enfin, okay. On n'a plus de restriction de 250 nœuds. Et on continue notre montée sur. Je tire. Ouais, super. Ok. Donc là, il faut passer sur l'ADF2 maintenant.